Alors attention, avant de regarder cette vidéo, je tiens à te mettre en garde. On va parler caca, mon poteau. Alors âme sensible, s'abstenir. Ça va pas voler très haut, ça c'est sûr. Mais je peux t'assurer que d'ici la fin de la vidéo, tu vas changer d'avis et tu vas vouloir troquer ton papier toilette pour cette fameuse douchette. Tu te demandes sûrement pourquoi ce sujet de vidéo. Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai sorti une vidéo où j'ai mentionné la douchette. Et à ma grande surprise, vous m'avez sollicité dans les commentaires pour que j'en fasse une vidéo. Alors, n'étant pas farouche, je me suis dit, pourquoi pas éduquer Sigurd Gandin. Mais juste avant ça, générique. Tout d'abord, un peu d'histoire pour les historiens. Il faut savoir qu'en Thaïlande, comme dans de nombreux pays en Asie, il est plus poli de prendre la nourriture avec la main droite. Il faut offrir un cadeau avec la main droite. Il faut montrer quelque chose ou montrer quelqu'un avec la main droite. Cela fait partie des règles de politesse, car la main gauche est celle utilisée pour s'essuyer lors de la grosse commission. On utilise donc la douchette avec la main droite. Et on utilise, si besoin, la main gauche pour s'essuyer. C'est pour ça que tu trouveras toujours la douchette quand tu vas aux toilettes en Thaïlande du côté droit. Et le papier toilette en Thaïlande est utilisé comme essuie-tout. Tu verras dans la plupart des restaurants en Thaïlande du papier toilette sur la table. Et d'ailleurs, moi, tous les midis, quand je mange au boulot, je m'essuie la bouche avec du PQ. C'est intéressant, non ? Il est donc très rare de trouver du papier toilette dans les toilettes et j'ai envie de te dire heureusement. Heureusement, pourquoi ? Parce que les rares fois où tu trouveras du papier toilette dans les toilettes, tu verras sûrement un petit message stipulant qu'il ne faut pas mettre le papier toilette dans les toilettes pour éviter de boucher celle-ci. La question que tu dois sûrement te poser maintenant, c'est où est-ce que tu mets le papier toilette ? Et bien en fait, juste à côté, tu as une poubelle et en gros, quand tu as fini ta grosse commission, il faut que tu mettes ton papier toilette dans une poubelle. Et le délire, c'est que parfois, quand tu ouvres cette petite poubelle, tu vois la merde des autres. Et crois-moi, je l'ai déjà vécu et c'est dégueulasse. Alors, en Thaïlande, il y a deux types de toilettes. On pourrait même en rajouter un troisième. Le troisième, ça serait les toilettes japonaises. Mais c'est tellement rare que je ne vais pas en parler aujourd'hui. D'ailleurs, tu peux trouver ce genre de toilette au Terminal 21. Alors, Terminal 21, c'est un centre commercial qui est situé sur Sukhumvit, à la station BTS Asok. Je te conseille d'aller chier là-bas, poteau. C'est une expérience gratos dont tu te souviendras toute ta vie. Bref, c'était une petite parenthèse. Maintenant, voyons le type de toilette numéro 1 en Thaïlande. C'est le fameux trône à la turque. Franchement, il n'y a pas pire que le trône. Sur une échelle de l'inconfort de 1 à 10, je te mets 13. Je sais pas qui c'est qui a inventé ces toilettes, mais en tout cas, ils ne voulaient pas du bien. Alors, le trône, on le connaît aussi en France. Ça peut arriver qu'on soit confronté à lui dans une bataille où lui seul peut gagner. Et c'est la toilette où tu te dis, mais bordel, mais pourquoi j'ai pas fait de gym quand j'étais plus jeune? Parce que t'es en position accroupie, squat, une main devant, une main derrière, on dirait Spider-Man. Pour ajouter en plus un niveau de difficulté, t'as le calbut qui est à deux doigts de toucher le sol. Il faut que tu fasses en sorte que tu écartes assez bien les jambes pour pas justement qu'il touche ce sol qui, lui, est dégueulasse. Le niveau de difficulté, il est immense. Tu vas là-bas, mais personne ne te veut de bien. Les toilettes ne te veulent pas du bien. Même le sol est contre toi. Donc tu dois écarter les jambes et faire attention à ce que tes vêtements ne touchent pas le sol. Bon, après, t'as des mecs, c'est des Mike Horn, hein. Je sais qu'il y en a. D'ailleurs, si t'en fais partie, clin d'œil, qui se mettent carrément à poil. Je sais pas où ils mettent leurs fringues, peut-être sur l'épaule, j'en sais rien. Mais voilà, sinon la deuxième école, c'est vraiment de mettre le fultard sur les chevilles, donc t'écartes bien les jambes. Et puis bah là, tu dois donc torcher les fesses pour rester poli avec de l'eau. Donc tu as à côté de toi, en général, c'est une grosse poubelle qui est remplie d'eau avec une sorte de petit bol à l'intérieur. Donc tu prends le bol avec la main qui te reste, manque de peau, t'en as pas trois. Tu prends ce petit bol. Et puis, tu te laves comme tu peux les fesses en mode accroupi. C'est un calvaire sans nom. On a tous, je pense, connu cette situation. On n'a pas envie de la revivre. Alors, en plus de te soucier du fait que ta main est remplie de merde, tu dois aussi te soucier de l'eau qui coule sur tes jambes. Franchement, sur l'échelle de Richter, au niveau de la dégueulasserie, on doit être à 72. Quand tu sors de là, tu te dis plus jamais. Moi, je sais que ça m'est arrivé il y a peut-être un an ou deux. Sur Bangkok, on était avec ma femme. Dans une sorte de marché, j'ai une chiasse alsacienne qui arrive de nulle part. Je demande à droite, à gauche des chiottes. On me dit, ah là-bas, là-bas. Je rentre dedans, mon pote. Je suis devenu tout blanc.
Je vois le massacre, tu vois, le trône à la turque, je vois la grosse poubelle remplie d'eau, c'est dégueulasse. Je suis sorti de là-dedans, j'avais perdu ma dignité, je n'osais même plus regarder ma femme dans les yeux. Bref, un calvaire. Après, si tu as un peu de chance, tu peux avoir le même délire, mais par contre avoir des toilettes normales. Donc ça t'évite de faire un squat en quinconce. Mais il faut quand même que tu te laves avec les mains le trou de balle. Donc c'est pas, voilà, c'est pas optimal. Et maintenant, le type de toilette numéro 2, la fameuse douchette. Alors c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo, parce que tu veux savoir comment que ça fonctionne, tu veux savoir pourquoi je déteste autant le papier toilette. Et ben, je vais tout te dire, mon poteau. Alors cette fameuse douchette, c'est la révélation. Je pense qu'on est tous pareils quand on arrive en Thaïlande la première fois, ou en Asie, hein, n'importe où, et qu'on voit une toilette avec une douchette, on se dit « Oh merde, il n'y a pas de papier toilette ». C'est normal, c'est humain. On n'est pas habitué à utiliser autre chose que du PQ, donc on est un peu, voilà, on est un peu déçu. On apprend un peu l'aventure douchette. Sauf que ce qu'on ne sait pas encore, c'est que cette douchette va changer notre expérience des toilettes à tout jamais. Parce que utiliser cette douchette, c'est l'adopter. Alors tu vas me dire, pourquoi la douchette est si bien que ça? On va comparer les deux, la douchette et le papier toilette. Alors point numéro 1, si on parle de propreté, la douchette nettoie mais bien mieux que du papier toilette. C'est beaucoup plus hygiénique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ce que tu fais, c'est que tu étales ton business. Alors que la douchette, avec son jet super puissant, eh ben, tu nettoies en mode Karcher, mais sans faire mal. Et ça, c'est le jour et la nuit. Un autre point au niveau de la propreté, la différence entre le papier toilette et la douchette, c'est qu'avec le papier toilette, eh ben, t'es pas à l'abri de t'en mettre sur les doigts. Alors qu'avec la douchette, eh ben, tu ne touches rien. Autre point, avec le papier toilette, tu peux t'irriter les fesses. Et ouais, mec, jusqu'à en saigner. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, ou alors je suis le seul, j'en sais rien. Eh bien, avec la douchette, il n'y a pas de contact physique. C'est doux et ça fait pas mal. Avec la douchette, t'es jamais en manque de papier. À qui c'est pas arrivé d'aller aux toilettes, chez soi ou chez des amis, ou encore pire, dans un endroit public? Tu fais ton business et là, bam, tu regardes à ta droite, pas de papier. Et là, t'es baisé comme un couillon. Alors qu'avec la douchette, eh ben ça, c'est le genre de problème qui t'arrivera jamais. Il y aura toujours de l'eau. Et la douchette sera toujours là. Un autre point, avec la bouchette, eh ben, tu ne bloques pas les toilettes. Alors qu'avec du PQ, eh ben, tu peux bloquer tes toilettes. Il suffit que tu en mettes trop, tu tires la chasse d'eau et bam, c'est bloqué. Alors si tu es chez toi, ça va, mais imagine, tu es chez des amis et tu bouches les toilettes, eh ben, tu n'as pas l'air bête. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Il y a des années de ça, je vais pour chercher un boulot en Thaïlande. Ils avaient du papier toilette, je fais ma commission, on était 5-6 dans l'agence, je bouche les toilettes, sauf que j'avais rien pour les déboucher. Alors je sors des toilettes, je vais voir le gars, et comme un con, je lui dis ouais, bah, j'ai bouché tes toilettes, et tu te sens pas bien, mec. C'est vraiment un feeling que t'as pas envie d'avoir. Et donc bah, l'avantage du G2, c'est que ça, et bah, ça n'arrive pas. Et un autre avantage avec la douchette, c'est que c'est bien plus rapide que de s'essuyer les fesses avec du papier toilette. Et le dernier point qui a aussi son importance, l'eau coûte moins cher que le papier toilette. Je parle de ici en Thaïlande. Alors en France, je sais pas combien coûte l'eau, mais ici c'est beaucoup moins cher que d'utiliser de l'eau que d'utiliser du papier toilette. Le seul point négatif que je pourrais donner par rapport à cette douchette, et pour moi c'est pas un point négatif, mais ça pourrait l'être pour certaines personnes, c'est qu'au final, quand tu as fini, et bah, tu te retrouves avec les fesses trempées. Sauf que la Thaïlande, c'est un pays qui fait chaud. Et c'est vraiment une histoire de quelques minutes avant que tu sois sec à nouveau. Et si vraiment c'est un problème, eh ben tu peux toujours utiliser du papier toilette pour t'essuyer avec la main gauche. Alors maintenant, pour ce qui est de son utilisation, bon, j'imagine que t'es pas bête et tu sais à peu près comment que ça fonctionne, mais bon, tu as voulu que je fasse une vidéo dessus, on va en parler. Une fois que tu as fait ton boulot, eh ben, il te suffit de prendre la douchette dans la main. Et là, attention, il y a deux écoles. T'as ceux qui vont mettre la douchette par devant. D'ailleurs, vous avez les deux mêmes écoles avec le papier toilette. T'as ceux qui vont mettre la douchette par devant et t'as ceux qui vont mettre la douchette par l'arrière. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire si tu es team devant ou team derrière. Et si tu veux savoir, pour moi, je suis team devant. Donc, je prends ma douchette, je la mets par devant. Tu vises l'objectif.
Et puis bah là, tu mets la pression qu'il te faut. Il faut faire attention parce que tu as différentes douchettes. Tu en as qui sont super puissantes et puis tu en as qui sont super faibles. Donc tu regardes un peu la pression de l'eau et puis bah tu mets la pression qu'il te faut. Tu nettoies, tu fais ce que tu as à faire et puis tu es tout bon. La première fois, la sensation est un peu bizarre, mais tu verras que c'est bien plus hygiénique et appréciable pour ton postérieur. Et bien sûr, finalement, il te reste plus qu'ensuite à te laver les mains. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que tu as apprécié ce sujet un peu particulier. N'oublie pas de mettre un petit like si tu as apprécié m'écouter parce que ça fait plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas déjà fait pour aider la chaîne. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poteau.